ES est une société qui existe depuis plus de 115 ans, filiale d'EDF, et nous avons développé une activité de géothermie et nous appuyons fortement sur ES Géothermie, filiale experte. Eh bien, nous sommes à trois partenaires. Tout d'abord, ES, porteur du projet. Nous sommes accompagnés, bien sûr, par l'industriel Roquette et la Caisse des dépôts, partenaire institutionnel. Et ne pas oublier l'ADEME avec son fonds chaleur. Eh bien, c'est une première mondiale par l'alliance entre cette technologie et la destination industrielle. C'est une énergie totalement décarbonée, non intermittente et qui est compétitive par rapport aux énergies fossiles. La centrale exploite la chaleur géothermale pour alimenter le site industriel Roquette, spécialisé dans la transformation de l'amidon. Une eau à 170 degrés est puisée à 2500 mètres de profondeur, puis réinjectée. La chaleur extraite par des échangeurs est transmise à une boucle fermée qui transporte l'eau et les calories de la centrale au site de Beinheim, situé à 15 km. C'est la première centrale géothermique qui alimente en direct, disons, un client industriel grâce à la technologie EGS qui consiste à extraire des failles profondes l'eau géothermale. Expert dans les pompes appliquées aux centrales géothermiques, KSB dispose également de nombreuses références industrielles. Leur fiabilité a été un critère déterminant dans le choix que nous avons fait lors de l'appel d'offres. Pour assurer la performance du réseau hydraulique, nous avons implanté pas moins de 40 pompes de 5 modèles différents, spécifiques à chacun des fluides transportés. En particulier, nos pompes de réinjection Multitech Euro sont particulièrement adaptées aux eaux géothermales agressives, même à haute température. Alors, KSB se fait un devoir de repérer et d'accompagner les projets à forts engagements environnementaux. Ce projet puise son énergie dans l'eau. L'eau est une énergie propre pour l'industrie. C'est un concept novateur et porteur d'espoir pour l'avenir.